Je lance l'enregistrement et je lance Splatoon 3 pour la première fois. Oui. Trois brevets cartouches or. Je peux participer à des matchs anarchie plutôt dans la game. Plutôt dans la game. Ok. Oh là là. Ah ouais. Blanche, les yeux rouges pour le style. Alors, la coupe de cheveux. Moi, j'aime bien la première coupe par défaut. Ah, les sourcils, c'est très important. J'aime bien la petite cicatrice. Oh non, ça c'est... Non. Il a un ananas sur la tête. On va aller full punk. Ça tombe bien, dis donc.
méduse, elle est trop chill. Ça vibre. Oh. C'est déjà le bordel, il y a des tags partout. Ah, qu'est-ce qu'on emporterait sur une île déserte? Ah oui. Alors, moi je dirais que j'ai envie de choisir outil pour Pascal parce que j'aime trop Pascal, mais en vrai, moi je vais être Team Rémi sur ce Splatfest parce que les jeux vidéo. Je vais profiter de ce moment pour vérifier sur Twitch si ça fonctionne correctement, comment est l'audio, etc. Alors, quand je parle... Ouais, ça a l'air ok. Peut-être baisser un tout petit peu le son du jeu. Est-ce que là c'est mieux ? Ça me paraît pas mal. Bien. La configuration est faite. On peut reprendre le cours du Splatfest. Oh, mais j'ai trop envie de choisir Pascal quand même, parce que je veux soutenir Pascal. Elle est quand même stylée aussi, Angie, hein, j'aime bien. C'est un peu particulier au début, mais on se fait à son design. J'aime bien ses dents et ses yeux sont vachement stylés. Et j'aime bien son haut un peu transparent, là, c'est vachement chouette. Non, franchement, les nouveaux présentateurs sont vraiment très très cool. Et puis Rémi... Jouer c'est jubiler, les jeux c'est de la joie, je suis d'accord. Le poisson Charles a disparu, hein, normal, c'est un Splatoon, c'est comme ça que ça se fait l'histoire. 30 degrés max, oh mon dieu, non! Le zapfish.
tous. Causer avec le type chelou des dégoûts. Oh là là, alors. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que cette méduse? Salut live SMT. Ah oui, je vais t'appeler Théo, ce sera plus simple si ça t'embête pas. Ça fait bizarre cette nouvelle ville. Là j'imagine que ça va être le coin pour le job Salmon Run. Stand de photo, c'est quoi? T'es qui? Ah oui, je crois qu'il y a un jeu de, il y a un jeu de cartes dedans. Salut Paul! J'ai cru comprendre ça, on m'a spoilé ça un peu sur Twitter. Typique, nice! Bon, on va essayer de monter niveau 4, on fera le mode histoire après. On va essayer de monter déjà niveau 4. Fais toutes tes matchs. Il y a du gacha. On vient m'a tout détrempé. Ok, on me traite bien. J'ai l'habitude. De rejouer avec des Joy-Con. C'est quoi ça? Ça fait quoi? Alimenté? Qu'est-ce que c'est que ce gadget? D'accord. J'ai pas compris à quoi ça servait. Qu'est-ce qu'il y a, Sora?
je suis rouillée. C'est là la plateforme de vote? J'y ai peut-être pas encore accès. Il y a un café. C'est Robusto. Oh, elles sont trop stylées les méduses DJ là. Ok, bah on va tenter hein. Oh là là, non mais ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à un Splatoon. Ça fait longtemps que j'ai pas touché le jeu Splatoon 2 parce que j'ai voulu le revendre. Ah, moi je crois que je suis player. C'est sympa la nouvelle fin d'écran.
match. Je vais essayer tant qu'à faire de passer niveau 4. Oh là là, c'est terrible. Tu veux venir bébé? Hein, tu vas dans le panier. Ça a vu de vite. C'est peut-être long à tirer, mais quand ça fait mal, ça fait mal. Allô. Tous allô. Bon, là, première victoire. Ça fait plaisir. Nice.
Ah bah bravo. Ça a été expédié. Décidément la truelle Master Game. On s'est fait rouler dessus, littéralement, dans tous les sens. Là, y'a pas photo, hein. Ah, la team de Lulu. Lulu.
Ah. Alors là, j'ai aucune idée de qui va gagner. Là, j'ai un peu plus une idée. Vivement le niveau 4 que j'aille me flinguer correctement. Que j'aille dépenser tous mes sous en cosmétiques. Ah, je veux récupérer l'arme de Lord Pomme. J'utilisais beaucoup cette arme là dans Splatoon 2. L'aérogun, je crois. Quelque chose comme ça. C'est l'aérogun que j'aimerais bien récupérer. Ah,
va gagner, hein, à mon avis. On sait auto-killer. Ouais, bon là, je pense que... Numéro 1 du coup de main. Ah, le retour de Lulu et Lulz. Panicotti. Thank you.
à pas trop le faire. C'est pas joué à grand chose hein, quand même, mais ouais. On a quand même bien mangé. Waouh, j'ai eu 3 médailles d'un coup. Ça arrive, première fois. Ah, oh, ça fait cher, ça prend tout mon argent. Ah ouais, non, il me faut plus de thunes. Je sais pas où est-ce qu'on vote. Bon, je vais finir de monter niveau 4 comme on avait dit. Hein. On va finir de monter niveau 4, comme ça je débloque les boutiques et tout et je gagne un peu plus de thunes.
Ah, la surprise, bien joué. Si je prononce ça bien, n'hésite pas à me corriger. Et ouais, ça ancre, enfin, grâce à mon amie Justine qui m'a refilé le jeu parce qu'elle appréciait pas trop, elle aimait pas trop le truc, donc j'ai récupéré le jeu. On est enfin niveau 4, on va... voilà, on va aller faire les boutiques, ça y est. C'est l'heure. Est-ce que tu me parles mieux toi maintenant? Par contre, je sais toujours pas où est-ce qu'on s'inscrit pour le Splatfest. Oreo, comme dans les biscuits. Ok. Ça c'est quoi ça? Moi j'entre partout mais je sais pas où je vais. Ah, c'est le Salmon Rush. Ok, donc la grille c'est lui. C'est ici Salmon Run. Ils me font triper les méduses avec leur tête ovale comme ça. Ah oui, le jeu est très coloré, hein, effectivement. Bon, par contre, on va skipper un peu ces dialogues à lui parce qu'il parle tout le temps. Faut être niveau 5 pour l'aérogun. Mais j'étais pas censé récupérer des objets. Monia.
quelqu'un sait où ça se trouve le vote pour le Splatfest. Et j'étais censée récupérer des objets aussi, faut que j'aille voir ça. Ils avaient parlé que j'aurais des tickets d'or. Je sais pas où les récupérer. Je sais pas récupérer les 3 tickets or dont ils ont parlé dans le truc. Si quelqu'un sait, je veux bien des conseils parce que là, du coup, je sais pas trop où c'est. Déjà à s'acheter des vêtements. Je les ai déjà normalement. Bah je sais pas, quand je suis allée voir dans le magasin d'armes, je peux pas débloquer de trucs avec mes tickets dorés. Ah oui, c'est ça, aperçu. Oh, il a changé, Monsieur Coco. Il a une petite voix. Oh non, mais non, mais non, mais non, non. Bon, je vais pas acheter de chaussures aujourd'hui. Allez, petite lunette là. Moi je vous avoue, c'est le style avant le. Avant les. Avant. Avant les capacités. Je suis désolée. Et puis les petites lunettes là, je vais les acheter quand même. Elles sont sympas. Bon. Oui, donc là, si j'ai un ticket or, d'accord. Et c'est juste de cliquer sur une arme, ticket or. Oui, effectivement, ticket d'or comme dans Charlie la chocolaterie. Pas tout à fait. Ah oui, c'est ça, merci. On échange. Je m'en équipe. Ok, donc il me reste encore 2 tickets or. C'est pour débloquer des armes. Ok. Ben, je vais les garder, je pense, parce que. J'aime bien mon aérogun. Faut juste que je me réhabitue à jouer avec. Alors, on a fait les chapeaux. On a fait le haut. Il n'y a pas de pantalon aujourd'hui, visiblement. On a fait des chaussures, mais j'en veux pas. Non, non j'aime pas. C'est pas très joli. Non, je crois que le bas, c'est. Il faut modifier ça dans le menu. Je vais les mettre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on achète comme bricole?
Ouais, voilà, c'est ça, il faut juste changer ici. Bon, je vais mettre ça. Ok. Alors, je vais faire une petite pause sur le live pour tester un peu des trucs. Donc, bougez pas le live. J'arrête la VOD, des bisous YouTube, on se retrouve vite pour la prochaine VOD.